américaine affectionne particulièrement, bien entendu, toutes sortes de sprints. Gwen Torrens, bien placé dans un bon couloir, va prendre un excellent départ et va réussir à dominer ses adversaires et notamment sa compatriote Green qui terminera en deuxième position mais assez loin d'elle. Et pour sa rentrée dans cette discipline, Gwen Torrens qui va revenir bientôt bien sûr sur 200 et sur 100 mètres a préféré entamer sa saison sur 400 mètres pour travailler un peu plus sa résistance. Et Gwen Torrens va l'emporter ici en 51 secondes et 50 centièmes. Bonne rentrée donc pour la championne du monde du 200 mètres qui sait exactement ce qu'elle aura à faire cette année pour essayer de réussir, bien entendu, de grandes.